Révérend Père Franzi, petit homme, curé de cette paroisse, Révérend Père Delva, vicaire, chère animatrice, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés. Comme je viens souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes convoqués pour célébrer la messe du 26e mercredi du temps ordinaire de l'année liturgique en B, qui coïncide avec la mémoire des saints archanges gardiens et du même cours, le groupe, les dévoués de Maman Marie, qui fête son 5e anniversaire d'existence. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire des saints anges gardiens. Moi, joigne à travers parole bon Dieu, existence angio. Yon ange, c'est une créature invisible, c'est-à-dire un esprit. Et mot ange, c'est un titre lié. Mot ça décrit fonction yon créature invisible gagnant. Et première vocation Zangio, c'est contempler la splendeur de Dieu. C'est adorer bon Dieu. C'est magnifier et glorifier bon Dieu. C'est chanter la gloire de Dieu. Mais tout, bon Dieu, bah, Zangio, y a une mission envers nous-mêmes, les hommes. Zangio, dans le service, nous. Il a veillé sur nous. Et puis, il a protégé nous. C'est pas parce que yo c'est esprit qui fait aux anges, ces angeliers. Mais tous les anges sont des créatures invisibles, mais toutes les créatures invisibles ne sont pas des anges. Je reprends. Tous les anges sont des créatures invisibles, mais toutes les créatures invisibles ne sont pas des anges. Une créature invisible devient ange quand elle est envoyée en mission. Comme disait saint Augustin, les anges sont des envoyés. Les anges n'ont pas de sexe et ne se reproduisent pas. Les anges sont des êtres purement spirituels et non corporels. Ils possèdent une connaissance parfaite et totale des choses. Il voit constamment la face de Dieu. Matthieu chapitre 18, le verset 10. Zangio, c'est créature invisible qui est libre. C'est dans ce sens-là, nous joignons quelqu'un qui accepte servir bon Dieu, quelqu'un qui refuse servir bon Dieu. Saint Jean expliquait nous ça dans le livre Apocalypse. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec un 16 anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec un 16 anges. Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 jusqu'au verset 9. Ça qui fait qu'il y a bons anges et qu'il y a mauvais anges. Mauvais anges, il y aurait les anges rebelles. Le plus connu de ces anges rebelles a été appelé diable, qui signifie « Sila qui divise ». Il y aurait le tout Satan qui voulait dire adversaire ou bien Sila qui opposait. Il y aurait le tout démon, ça voulait dire déchu. Frère Semio, c'est pour nous dire bon Dieu merci pour créatif spirituel ça yo li mette dans la vie non. C'est pour la prière ange constamment comme ça nous va jouer une protection dans mais yo. Oui. Nous avons une protection dans nos mains et ça fait nous tous avec nous chaque, nous avons un ange gardien. Et ces anges gardiens, ça, eh bien, qui protège nous. Parfois, nous avons mal qui arrive, nous disons c'est grâce à ces anges gardiens qui protège, qui bat une protection. Mes frères, mes sœurs, ce texte s'inscrit dans le cadre de la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Rappelons-nous que Saint Luc a rédigé la majeure partie de son évangile sur le voyage de Jésus et ses disciples à Jérusalem. Jésus nous donne un exemple éclatant. Il savait clairement ce qu'il attend
Et pourtant, lui-même, il prend résolution pour monter Jérusalem et pour renoncer à toute en violence. Jésus n'a pas gardé difficulté, mais ses possibilités à l'ouest. Eh bien, cela signifie qu'en dépit de toutes les forces contraires, il faut croire à la victoire de Dieu. Malgré toute mauvaise situation à vivre, malgré toute difficulté à vivre dans la vie, il faut qu'on croit que victoire, c'est pour cela qui prend décision, servir bon Dieu. Victoire, c'est dans bon Dieu la sortie, parce que force mal là, pas capable de gagner en prison. C'est aussi là qu'a servi bon Dieu. Dans ce texte, Saint-Luc rassemble trois témoignages pour mettre en lumière le véritable discernement de toute vocation. Le premier candidat affirme avec passion qu'il suivra Jésus. Adoué, répond Jésus. Jésus ne dit pas la famille royale vivent dans des palais, les habitants de Libramon ont leur maison, mais moi, je n'ai pas de maison. Il commence plus bas encore. Les renards ont des tanières, même les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme, petit bon Dieu, n'a pas grand côté pour reposer tête li. Comparaison ça clair, zanimou a gen abri li. Eh bien, petits oiseaux, yo, même yon gen nis yo, mais petit bon Dieu n'a pas gen côté pour reposer tête li. Ça veut dire Jésus n'a pas, eh bien, de chez lui. On parle souvent de droit de l'homme, droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la liberté, droit au logement. Ici, c'est choquant. Jésus dit que quelque part, les animaux possèdent plus de confort que lui. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. À travers cette déclaration, mes frères, mes sœurs, Jésus nous fait comprendre que la vie chrétienne exige une détermination sans faille. Ça veut dire, nous-mêmes chrétiens, nous devons persévérer jusqu'au bout. Suivre Christ là exige persévérance avec fidélité. Persévérance avec fidélité doit dans tout ce qui semblait avec résurrection, dans tout ce qui semblait avec la croix. Persévérance et fidélité doués dans le moment qui est content nous, mais tout dans le moment qui est chargé nous. Yo. Persévérance et fidélité doués dans le succès nous, tant qu'on a échec. Yon échec, pas qu'à faire nous décourager. Nous devons persévérer jusqu'au bout pour nous capables de arriver, remporter victoire finale là. Tout bagaille ça yo a permettre nous de comprendre bien qui ça yon disciple lié. Qui ça, ça veut dire, les nous dit nous-mêmes, nous sommes disciples Jésus, les nous dit nous-mêmes, nous sommes missionnaires. Activité, marcher derrière Jésus, ce n'est pas un bagage romantique lié, ni platonique, c'est-à-dire un bagage qui a passé dans le rêve, avec un nuage, mais c'est un bagage qui ramasse toute réalité, la vie nous comme monde, comme chrétien. Les radicales, les mandés toutes, eh bien, pour lui parfois, lui interdit quelques valeurs qui légitimes, les ou pas correspondent à l'appel là. Yon nan conséquence qui gagne, les nous-mêmes nous dit, nous choisi marcher derrière Jésus, c'est un bagaille qui gagne gros risque la donne. Nous pas connaît qui côté la mène non. Disciple là, c'est un monde qui n'a pas un côté pour reposer tête parce qu'il est toujours disposé, disponible pour la n'importe qui côté. Bon Dieu, va mettre la mandelle pour aller si tôt côté qui n'a nécessité pour annoncer l'évangile là. Comme ça, frère, c'est mieux. Marcher derrière Jésus, c'est choisi pas attaché à un tant qu'aux familles, bien matériel pour voir gros position dans la société. Et voyons maintenant le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage du candidat. Dites à Jésus, permette-moi d'aller d'abord enterrer mon père. En ouais, réponse Jésus, quittez moi, enterrez moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a un monde qui est dans Jésus et qui fixe lui vers Jésus-Christ, c'est un monde qui est déjà sauvé. Il y a un monde qui est dans Jésus-Christ et qui est l'autre côté, nous avons considéré le monde comme un mort ambulant. Comme un mot en bilan bien, un mot en vacances. Il y a un monde qui dit qu'il est chrétien, et puis la voie l'autre monde, elle fait ça pas bon. Eh bien, le monde, ça, c'est un cadavre ambulant. Il y a un monde qui a la foi, mais la foi, elle n'est pas solide, tout bon vrai. Nous sommes capables de dire, le monde, ça, c'est un mot ambulant. Ou même, moi-même, eh bien, qui est partisan Jésus-Christ, nous sommes déjà des ressuscités. Mais si nous pas dans Jésus-Christ, nous toutes, ça n'a fait qui contraire Jésus-Christ lui-même
qui se mettent la table enseignée, la dit nous c'est mort ambulant. Ici, Jésus parle de ceux qui sont morts dans leur cœur parce qu'ils refusent eh bien, la parole de Dieu. Ils refusent d'écouter la parole de Dieu. En nous garder dans la vie, non, qui ça qui empêche nous-mêmes, ou bien qui ça qui fait nous-mêmes, nous, c'est des vivants pour mon Dieu, étant, n'a demandé bon Dieu de remettre la grâce pour écarter nous de toute entrave, ça y est. Enfin, troisième candidat dit, eh bien, grand maître, moi, je voulais suivre tout bon vrai. Mais, laissez mal dire mon lacay, moi, on dernier adieu, mal dit au revoir. Il m'a dit, Jésus, on délai. On nous répond Jésus pour finir dans la partie ça. Celui qui a commencé le travail de Dieu, mais qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il n'est pas décidé à faire le travail de Dieu jusqu'au bout. Suivre Jésus, c'est aller de l'avant. L'appel du Christ est une urgence absolue. Si Dieu t'appelle, ne regrette rien. Frère Semio, vrai disciple, c'est monde qui tendait appel grand maître là et puis qui répond sans pas penser à mode de ville t'a mené avant. Ça veut dire, l'oublier toute bagaille pour la annoncer, eh bien, bonne nouvelle Jésus-Christ. Il y a une bonne nouvelle qui a conçu, il y a une bonne nouvelle qui a guéri, il y a une bonne nouvelle qui a soulagé, il y a une bonne nouvelle qui a pris soin, il y a une bonne nouvelle qui a baillé la vie. Mission fondamentale Jésus, c'est sauver un homme, tout le monde qui perdit. C'est ramener tout ce là qui part dans le vrai chemin pour mettre dans le vrai chemin. C'est même mission ça que nous gagnons tout, nous-mêmes comme disciples, missionnaires Christ-là. C'est à chercher si là yo qui dehors al pour nous capable river ramener yo eh bien dans pâturage là et c'est ça qui fait que aujourd'hui a eh bien groupe les dévoués de maman Mario même qui a célébré eh bien 5 années d'existence yo eh bien finalement mission yo c'est chercher faire l'autre rentrer dans groupe là dans groupe yo eh bien pour permettre que groupe dévoué les mêmes les rempli avec un petit poisson. Si poisson yo c'est l'autre monde qui a venu pour annoncer avec un membre comité exécutif tant que Thomas et Nancy Thomas du Rossier, Suzanne Bruno, Huguette en chéri Pierre Antoine. C'est nous-mêmes qui en tête cap mené pour nous donner des modèles, des exemples pour l'autre pour permettre que eh bien groupe les mêmes les grandit et aller vers l'avant. Laisse ça n'a tourné de vrais missionnaires ensemble avec tout l'autre qui a annoncé le bon Dieu. Zami internautes nous yo frem aksem yo dans la messe eh bien matin yon, eh bien on demandé bon Dieu grand maître là pour l'aider nous répondre fidèlement avec vocation chrétienne nous et c'est pour bon Dieu grand maître là par l'entremise toutes angio eh bien changer situation la vie nous bénir nous et protéger nous dans nos papa avec petite là avec l'esprit saint amen Saint-Esprit je viens de...